Chers amis, il y a un mois déjà, le 17 mars, le confinement général était décrété pour notre pays. Et depuis nous avons appris à vivre avec les contraintes que cela suppose. Nous le faisons non par soumission ou en maugréant plus ou moins comme certains, mais par sens des responsabilités envers les autres et d'abord les malades et le monde médical. Nous le faisons, nous le faisons surtout par charité pour les autres. Nous avons vécu ainsi un carême unique et encore plus une semaine sainte et des célébrations de Pâques étonnantes. La grande majorité des prêtres ont célébré seuls, parfois à quelques-uns, en respectant bien sûr les distances nécessaires. Ce fut mon cas avec l'archevêque. Je sais que beaucoup nous ont rejoints en s'associant, comme ce soir, par la radio, mais aussi par la télévision, certains sur les réseaux sociaux. Durant ce mois, j'ai vu la cathédrale sans touristes, sans fidèles. J'avais sous les yeux toutes ces chaises vides et pourtant la cathédrale n'était pas vide. Elle était remplie de votre présence, de votre prière, elle était habitée de notre communion. C'est ainsi que l'annonce de la résurrection a retenti cette année et nous a porté la joie pascale. Ce soir, dans cette même communion, Entrons dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Évangile de Jésus le Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didine, c'est-à-dire Jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, Je m'en vais à la pêche. Ils lui répondent. Nous aussi, nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger Ils lui répondent, Non. Il leur dit, Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, C'est le Seigneur. Quand Simon Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui. Et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, ils aperçoivent déposer là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Simon Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait cent cinquante-trois. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors Venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité se manifestait à ses disciples. Et cette fois, ce n'est plus dans le Cénacle ni même à Jérusalem, mais en Galilée, sur le rivage du lac de Tibériade. Tous ceux qui ont eu la joie d'aller faire un pèlerinage en Terre sainte sont certainement passés par le lieu où la tradition chrétienne fait mémoire de cet épisode, la primauté de Pierre. On y célèbre volontiers l'Eucharistie, et beaucoup qui m'entendent ce soir se reconnaîtront et penseront à ces célébrations toujours émouvantes. Partageons ces souvenirs non par nostalgie, mais parce qu'elles nous redisent que le ressuscité saura encore nous donner d'autres moments bénis, après l'épidémie, après le confinement. L'ange avait dit aux femmes qui étaient venues au tombeau, de dire aux disciples qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils le verront. Mais c'est au Cénacle en premier qu'ils l'auront vu, au soir même de Pâques. Ce n'est que dans le quatrième évangile, dans ce récit postérieur, que cette rencontre en Galilée nous est rapportée. La Galilée, c'est le pays d'où est originaire Jésus et de beaucoup de ses apôtres. C'est le milieu de vie de Pierre. Nathanaël, des fils de Zébédée. On le ressent dans le récit. Le lac, la pêche, pas toujours fructueuse, ses rives, ses collines si belles. La Galilée, c'est aussi le pays des nations, comme on l'appelle. Le pays traversé par la Via Maris, la grande route commerciale qui va d'Égypte en Syrie, de l'Afrique à l'Asie et l'Europe. Là se mêlent tous les peuples du monde, toutes les cultures connues, les langues, les religions. C'est là que le ressuscité attend ses apôtres, son Église. La Galilée, c'est symboliquement notre monde, notre milieu de vie, là où aujourd'hui encore le ressuscité nous précède. L'Évangile est à annoncer au monde entier au risque de la contradiction et de désillusion. La pêche de Pierre et des disciples ne fut pas fructueuse. D'autres désillusions attendent l'Église. Mais le Seigneur est là, si mystérieusement que même ses disciples les plus intimes ne le reconnaissent pas. Il est là affectueusement et prépare pour eux le repas eucharistique. La pêche infructueuse se révèle miraculeuse, mais pas exactement comme ils l'avaient prévu, comme nous l'imaginions. Mais pour le moment, nous ne sommes pas vraiment sur les bords du lac, mais confinés dans le Cénacle. Pour reconnaître et annoncer le Christ ressuscité au grand vent de la Galilée, les apôtres ont dû apprendre à le reconnaître dans le secret du Cénacle au cœur de Jérusalem. De la même manière, notre Église diocésaine s'est laissée appeler par l'Esprit qui la pousse au grand vent de la mission vers les hommes et les femmes de notre temps, aujourd'hui à Reims et dans les Ardennes. Au début de l'année, nous étions un peu tous enflammés de cet Esprit à l'inauguration de nos espaces missionnaires. Et de l'installation des équipes pastorales locales. Je pense aussi au Père Vincent d'Ilysia et Dominique Fleury, et à la fraternité des missionnaires de, diocésains. Je pense au Père Paul-Emmanuel Lallemand et à la mission étudiante et jeune professionnelle. Mais le confinement nous contraint à rester au cénacle. Peut-être que le Seigneur nous apprend là à le reconnaître vivant pour que nous puissions le faire au milieu du monde Peut-être qu'il nous invite encore, comme les disciples au Cénacle, avec quelques femmes, dont Marie la mère de Jésus, à veiller nous aussi dans la prière en attendant le don de l'Esprit Saint Pour nous aussi, ce n'est pas encore Pentecôte. Il nous faut se préparer à un déconfinement spirituel et missionnaire. Viens en nous, Esprit Créateur. Le vrai but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu. Pendant tout ce temps, entre Pâques et Pentecôte, nous invoquons l'Esprit Saint et nous prions à partir du chant traditionnel du Veni Creator. Il nous fait invoquer l'Esprit Créateur en lui demandant d'emplir nos cœurs de la grâce venue d'en haut. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in place perna gracia, que tu creatis spectora. Viens, Esprit Créateur, nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils. Remplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour. Seigneur, toi qui as créé notre cœur, tu le connais. Tu sais ce qui l'anime et de quoi il est chargé. Tu sais nos désirs et nos envies, nos inquiétudes et nos angoisses, nos rêves et nos rêves et nous illusions. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. En ce temps de Pâques, où tu visites nos cénacles de confinés pour y apporter la paix du ressuscité, visite notre cœur, prépare-le, purifie-le, que nous accueillons la grâce venue d'en haut pour qu'au jour de la Pentecôte il se déploie, au souffle de l'esprit et brille du feu de ta sagesse. Amen. Avec le psaume 22, nous prions pour ceux qui meurent, seuls et en détresse. Nous prions avec leurs proches qui ne peuvent pas les accompagner, avec ceux qui les soignent et les assistent. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des brais d'èbre fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie, j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. En enfant de Dieu, nous prions. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons la prière diocésaine que nous propose notre évêque pour ce temps pascal. Dieu très bon. Nous célébrons dans la joie le Christ ressuscité des morts. Nous accueillons jour après jour la bonne nouvelle de sa résurrection. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. En ce temps d'épidémie et de confinement, nous te présentons les malades et leurs familles, ceux et celles qui meurent en séjour, parfois très seuls, malgré les attentions du personnel hospitalier. Nous présentons leurs familles et leurs proches qui ne peuvent célébrer les funérailles de la manière qu'ils auraient souhaité. Seigneur ressuscité, visite les uns et les autres dans leur cénacle intérieur, viens apporter de la lumière dans leurs douleurs et leurs angoisses. Seigneur ressuscité, refais les forces de tous les soignants, de celles et ceux qui font vivre notre système de santé. Soutiens de ta grâce ceux et celles qui assurent la vie de notre pays. Envoie ton Esprit Saint à ceux qui dirigent notre pays et aux responsables des États dans le monde. Seigneur ressuscité, viens visiter nos cénacles de confinés. Apporte ta paix là où nous n'en pouvons plus de nous supporter. Apporte ta joie là où nous sommes inquiets pour l'avenir. Que ton Esprit-Saint nous apprenne à t'accueillir pleinement et à vivre de ta lumière. Qu'il nous prépare à sortir du confinement avec le cœur rempli de foi, d'espérance et de charité pour participer à la vie du monde et y porter ta lumière. Esprit-Saint, entoure de ta douceur nos frères et sœurs catéchumènes qu'ils vivent ce temps prolongé qui les prépare au baptême avec la paix et l'espérance. Que, le jour venu, ils nous aident à sortir pour être d'authentiques témoins de l'amour de Dieu, plus fort que la mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père le fils et le saint esprit allez dans la paix de christ alléluia allez alléluia nous rendons grâce à dieu alléluia allez alléluia Regina Celi letare, Alleluia. Quiam que meru esti portare, Alleluia. Resurrexit, sicudixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Yeah.